Eh bien salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et ça fait vraiment super longtemps que je ne vous en ai pas fait, ça doit faire environ un mois je pense, un truc comme si, ouais un truc par là, environ un mois. Et je suis désolé, c'est parce que j'ai pas eu le temps, j'ai eu un petit coup de mou, j'avais plus trop envie et aussi parce que mon GTA ne fonctionnait plus, je ne sais pas pourquoi. Et quand il est recommencé à fonctionner, ils m'ont mis une putain de mise à jour qui m'a totalement fait bugger. Et du coup là j'ai que les véhicules gendarmerie. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes avec une Subaru gendarmerie pour faire une petite patrouille brigade autoroutière. Je sais pas trop ce que c'est. On va prendre que les interventions qui concernent le milieu autoroutier. Et j'ai bien sûr mon petit radar que l'on va positionner dans un délai très précis. Là on va se mettre là, vous savez quoi. Quoique non, c'est mieux si on se met à la sortie du tunnel, parce qu'il nous voit pas alors que là il nous voit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à la sortie du tunnel. Et je vais me mettre juste à droite, comme ça ce sera réglé. Donc là on est en fin de journée, on fait une petite patrouille bien tranquille. On va se mettre là. On va se reculer un petit peu. Hop, je vais descendre et je vais positionner mon radar. On va le mettre pourquoi il s'arrête. On va le mettre là le radar. Hop, on va limiter à... Je sais pas c'est combien la limitation de vitesse ici. Vous savez quoi, on va mettre à 65. 95. Oh, j'ai dit 95 km/h là. Le véhicule rouge 95. Quoique non, on va pas le prendre, on va attendre que du 100. Ah, en fait je sais pas du tout. Vous savez quoi, on va mettre 100 km/h. Parce qu'en fait là je viens de me rendre compte que je me suis déchiré. C'est... On va mettre 100 km/h. Parce que c'est quand même la sortie d'un tunnel hein. Donc tout ce qui sera au-dessus de 100 km/h, bah on prend, on interpelle. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Du 96. Là ça commence à taper dans du lourd. 96. 94. Ok, on a du 100, c'est parti. Allez. Le véhicule blanc là-bas, il est pour nous, on va tenter de l'interpeller en faisant les choses bien si possible. Je vais éviter d'avoir trop de casse. Ah, je suis désolé, je peux pas m'en charger là. Allez. Bonjour, gendarmerie nationale, vous allez me suivre s'il vous plaît. Allez, allez. Allez, il va me suivre. Suivez-moi, monsieur. On va aller se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence ici. Là, on est bien. Parfait. Allez. On va aller voir notre petit contrôle. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, je vais faire une demande de vérification de plaque. Ah non. Ah non, je me suis trompé. Hop. Voilà. Alors, on va attendre les infos. Ok, valide, donc tout va bien. Monsieur, bonjour, gendarmerie nationale, je vous ai contrôlé à une vitesse de 104 km/h. Alors on va procéder à un petit contrôle s'il vous plaît, je vais demander vos papiers d'identité s'il vous plaît. Ok, je demande une identification pour Kasey Allen. Ok, il n'est pas recherché. 0 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a plus de points sur son permis de conduire. Licence valide, bah non. Bah si c'était 0 points, c'est qu'il aurait pu. Alors, bah du coup, je vais vous poser quelques questions, monsieur. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal dans votre véhicule? No. Est-ce que vous avez bu aujourd'hui? No better to do, ok. Taking drug, est-ce que vous avez consommé de la drogue dans la dernière heure, monsieur? Est-ce que je peux chercher votre véhicule? Ok, donc vous refusez. Bon, c'est un droit que vous avez, monsieur. Bon, étant donné l'infraction qui est totalement minime, je vais vous laisser repartir avec... une amende, donc on va vous mettre allez, 90$ et 100 points parce que c'était que de quelques kilomètres heure. Allez monsieur, je vous fais votre petit ticket et vous allez pouvoir repartir. Alors, vous inquiétez pas monsieur pour ma manche hein, j'ai eu un petit accrochage, rien de particulier. Et pourquoi ça roule pas là-bas? Là-bas ça roule pas, je vais aller voir ce qui se passe. Et je vais me remettre dans un autre endroit pour le radar. Parce que je peux pas faire. Je vais pas m'amuser à faire du demi-tour à chaque fois. Allez monsieur, bonne route. Ralentis s'il vous plaît, on va laisser passer le monsieur. Ouais, ok, ils ont pas décidé à ralentir.
Allez, monsieur. Nous, on va retourner dans notre véhicule de patrouille. Donc, on n'est pas avec la Mégane RS parce que la seule Mégane RS qu'on avait sur le secteur, elle a été accidentée. Et du coup, bah, on nous a remis une petite Subaru en attendant. Allez, on y va. Nous, on va sortir là. Et on va aller se mettre dans... On va aller faire un petit tour dans les petites routes quand même. Parce que c'est pas parce qu'on est dans les petites routes qu'il peut pas y avoir une course poursuite. Je sais pas ce que c'est, Twok, mais on va aller voir ce que c'est. Ça m'a l'air d'être sur l'autoroute. Du coup, on va aller voir ce que c'est. Hein. Allez, on s'écarte. Très bien. Twok, locate on stop the suspect vehicle. Ok, donc on a un véhicule suspect apparemment. Il faudrait localiser et le stopper. Alors, je connais pas du tout ce que c'est comme modèle de véhicule. Mais je sais qu'il est de... attendez. Il n'y en a pas la couleur red. Red color red gauntlet. J'ai retiré mon radar. Hop. Parfait. On va essayer d'aller choper ce véhicule là parce que je sais pas ce qu'il a fait. Un véhicule rouge. Techniquement il est rouge, c'est ce que j'ai compris. Red color red gauntlet. C'est peut-être un modèle. Ah non, c'est... Je sais pas du tout. On va essayer de voir. On va s'en rapprocher puis on va voir ce que ça peut être. Tout ce que je sais, c'est que c'est sur mon secteur, sur mon autoroute. Et on fait pas ce qu'on veut sur mon autoroute. Alors, il roule vite, il a l'air de bien bombarder quand même. Je vais peut-être devoir faire appel à des renforts, je sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que je vais pas lâcher l'affaire. Il doit bien rouler. Ok, il est devant. C'est un des deux véhicules là-bas. Je crois avoir visuel sur lui. Je pense qu'il sait que c'est pour lui qu'on est là. Hop, attention. Ouais, c'est bon, j'ai visuel sur le véhicule. C'est lui. Allez, c'est bien, c'est un véhicule rouge. Allez, arrêtez-vous. Merde. Je sais que c'est lui le véhicule. Ok. Putain, j'ai bien éclaté ma Subaru, je pense. Ah ouais, elle a bien pris cher. Bon, le traffic stop, il a... Ok, délit de fuite, ça part sur un délit de fuite. J'en étais sûr, c'était sûr que ça allait finir comme ça. J'ai mon arme, je vais pas tarder à faire feu si ça continue. Ok, du coup, déjà pour l'attraper c'était chaud, je vais appeler... Ok, c'est bon, j'ai du renfort qui devrait arriver. Normalement, tout va bien se passer. Allez. Wow. J'ai failli percuter les collègues là. On nous a envoyé deux Subaru. Hop, les sapeurs-pompiers. Je coupe mon deux tons parce qu'il y en a déjà suffisamment. La petite moto gendarmerie, moto de Dark Athos, le véhicule est... Je ne sais plus de qui est ce véhicule, je vous mettrai le lien dans la description les gars. Mais c'est un membre de la Barreau Team. Allez, arrêtez-vous, c'est la gendarmerie, arrêtez-vous. Ça sert plus à rien de continuer. Arrêtez-vous, ça ne sert plus à rien de continuer. Putain, je suis sûr, il m'a défoncé la portière, même pas, c'est bon. Allez les gars, on y va, qu'est-ce que vous faites? Allez, arrête-toi. Arrête-toi. Tu descends du véhicule tout de suite, gendarmerie, tu te mets au sol. Au sol. Immédiatement. Parfait. Bon, une intervention qui finit pas trop mal. Quelques coups de feu. Alors, on va tester. Non. Zach. Mince, j'ai plus son nom. C'est pas grave, j'ai plus son nom. Bon, monsieur, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me suivre. Allez, venez monsieur, s'il vous plaît. Vous allez vous mettre sur le trottoir, là. On va procéder à quelques vérifications obligatoires. Donc vous vous asseyez immédiatement ici, déjà dans un premier temps. Oui, allez, asseyez-vous. Votre véhicule, lui, je vais le mettre sur la chaussée. Voilà, on n'a pas besoin de sa radio de sauvage. Parfait. Ma petite Subaru, là, qui est un peu cassée à cause de lui. Eh ben, monsieur va payer les frais de réparation en plus de ça. Allez, on va se mettre sur le côté. Parfait.
Alors, je vais déjà dans un premier temps faire un check de la voiture. Parfait. Et ensuite un check de monsieur pour savoir à qui on a affaire, parce que là, j'ai pas plus d'infos que ça sur lui en fait. Je sais pas du tout face à qui je suis. Ok, wanted for TWAC. Ouais, bah il vient d'être interpellé pour ça, je sais pas du tout ce que c'est, TWAC. 3 points, fuel license expired, il a plus de permis. Ok, donc je pense que ça doit être conduite sans permis. Alors, bah lui déjà, même pas besoin de réfléchir. Il part en gendarmerie directement. Et les collègues qui viennent le récupérer. Parfait. Allez, monsieur. Eh bien, bon séjour au centre pénitentiaire. Et à bientôt. J'espère pas, hein, mais je vous dis quand même à bientôt, question de politesse. Et la voiture, elle. Elle part en dépanneuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? On va pas laisser son épave sur le bord de la route, hein. Et puis bah pour nous, bah c'est, ça va être une reprise de patrouille, hein, je pense. Hein. Ça va rien de plus compliqué. Allez. On va laisser le collègue partir avec mon petit copain. La dépanneuse, elle vient récupérer son véhicule. Parfait. Et bah c'est une fin d'intervention pour nous. On peut reprendre la patrouille avec un véhicule légèrement abîmé. Mais c'est pas grave, ça change rien. Est-ce que j'ai encore mes feux de pénétration? J'ai encore mes feux de pénétration, c'est bon. Je suis encore dans la légalité. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai un véhicule qui m'est signalé derrière, mais... Bon, il a l'air super lent quand même. On va pas y aller, on va continuer ici. Je propose que je me mette à la petite intersection ici avec un petit radar. Non, là-bas. Là-bas, c'est mieux. Parce que là, j'aurais pas eu la place de me cacher. Ici, enfin, me cacher, c'est un gros mot. De me garer en sécurité. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah, il y a les collègues d'ailleurs. Pep, pep, pep. Ok, il y a une course poursuite. Pep, il attaque mon collègue. Lui, il attaque mon collègue. Hey, pep, pep, monsieur. Gendarmerie nationale. Allez, allez. Ok, bon, je pense qu'il est neutralisé. Allez, au sol, immédiatement, au sol. Tout de suite, au sol. Je me répéterai pas, monsieur, au sol, immédiatement, gendarmerie nationale. Ok, il est décédé. Ma collègue. Faut être un peu plus mou sur la détente. Bon bah du coup ça va finir avec avec une ambulance, ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop. Eh bah c'est parti, on a les pompiers qui vont rappliquer. Il y a le SAV là-bas, c'est les pompiers de Paris, hein, parce qu'on est sur secteur brigade. Et donc la petite moto, regardez. Moto de Darkatos qui est sortie très récemment sur le site de la Barreau Team. Et elle est vraiment magnifique. Bon, j'ai pas le bon fichier ELS, mais c'est grosso modo c'est ça. Allez. Bonjour, donc blessure par balle. Blessure par balle par un officier de gendarmerie. Est-ce qu'il va se relever? S'il se relève, je l'interpelle direct. Hein. Y a pas de... Ok, donc pas de soucis, monsieur. Bah, il est Delta Charlie Delta, apparemment, d'après les sapeurs-pompiers. Et bah, du coup, nous, on va placer un petit radar. Wow. Ah ouais, on a un Puma sur le bord de la route, là. Et là, dans les commentaires, on va me dire, mais pourquoi tu l'as tué, Drixis? Et patati patata, les gars, y a un Puma au bord d'une autoroute. Je vais pas le laisser. Ah, par contre, son cadavre, à lui, il va me saouler. Y a un vieux cadavre, maintenant. Bah, du coup, on va appeler les coroners. Ça change pas, les gars. Ok, parti, coroner, c'est parti. Alors, du coup, on va reprendre le but principal de la vidéo, interpeller des fous. Du coup, place radar, on va le mettre à... ils roulent à combien environ, là? Ils sont à l'arrêt. Ah putain, c'est les coroners, ils font chier, là-bas. Ça doit rouler à combien, ici? Ah, les coroners, ils sont totalement cons. Mais ils sont en contresens. Bon, on va mettre à 80. Parce que je sais pas du tout à quelle vitesse ils arrivent s'il n'y avait pas les guignols là-bas. Et moi, je vais aller libérer la voie là-bas pour qu'ils puissent arriver en tranquillité. On va se mettre avec les gyros. Les coroners, ils vont bouger. Allez.
Bon. Ok, bah parfait, c'est bon. Ça, c'est réglé. Ils se sont mis en plein milieu de la route, par contre, ça, c'est vachement intelligent. Ok, alors. Pourquoi il fait des dos d'honneur, lui? Déjà, il roule sans casque, en plus, il fait des dos d'honneur. Ok, lui, on l'interpelle, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi, la petite moto là-bas. Normalement, je suis pas censé prendre en chasse des motos parce qu'il est pas casqué. Et parce que ça met en danger sa vie et celle des autres usagers, mais principalement la sienne. Parce que s'il se casse la gueule et que j'étais en train de le poursuivre, c'est qui le responsable? C'est à cause de qui qu'il a fait un délit de fuite? C'est parce qu'on l'a pris en chasse. Et s'il crève, c'est à cause de nous. Allez, par contre, il me trace, je pense. Bah, c'est pas je pense, c'est il me trace, mais bien, genre, en mode bien sévère. Faut que j'essaie de la voir. Une chose est sûre, c'est que lui, si je l'ai, il va pas reprendre la route d'aussitôt. Il fait des dos d'honneur à tout le monde en plus. Il m'a l'air super énervé. Punaise! Oh punaise, il s'est planté le con. Allez, gendarmerie, au sol, immédiatement au sol. Au sol tout de suite, monsieur, c'est la gendarmerie nationale. Est-ce que ça va, monsieur? Est-ce que ça va, monsieur? Est-ce que vous êtes blessé? Bon, je pense que tout va bien. On va quand même faire venir les sapeurs-pompiers. Parce qu'on a quand même des blessés corporels, du coup lui... Montez monsieur, montez. Installez-vous. Je vais faire venir les sapeurs-pompiers. Histoire qu'au moins il y ait un petit bilan qui soit fait. Hop, du coup... Parfait. Ok, j'ai une ambulance qui arrive, sa moto, bon, on va la faire dépanner. Déjà je libère la voie de circulation. Je peux couper mes gyros je pense parce que ça fait bugger la circulation ici. Allez parfait. Okay. Bonjour messieurs, donc c'est un motard accidenté. Ok. Très bien. Bah apparemment il va bien vu qu'il s'en branle. Et moi ce que je voulais c'était. Ouais déjà dans un premier temps. Like check. On va peut-être faire ça aussi sur notre individu pour savoir qui est-ce que j'ai en face de moi. Ok, valide, reste, bah, il avait l'air totalement en règle. Nazmi, licence, ok, il a plus de permis, c'est pour ça. Alors, disqualifié en permis, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Oh punaise, lui aussi vient de se toller là-bas. Eh mais c'est, ils sont tous bourrés là-bas, on se croit en Alaska. Je sais pas si vous connaissez la série Alaska State Trooper, mais c'est exactement ça, c'est que des mecs qui sont bourrés. C'est sur quel que ça passe déjà, je m'en rappelle même plus. Mais franchement, regardez, hey, je me tape des grosses barres quand je vois ça. Les mecs, ils sont bourrés, mais H24 là-bas. On va faire une petite dépannette pour la moto. Eh ben, monsieur, on va partir en gendarmerie. Parce que là, je pense que vous me laissez pas le choix. Allez, on y va, c'est parti. Ouais, j'ai pas besoin du deux tons, là. On va y aller mollo. C'est pas une urgence de malade. Hein. Allez. Bon, si vous voulez... Par contre, là, je suis obligé. Non, il y a sa moto dessus, non? Même pas, il s'en branle. Customer refusing to pay. Bah, je l'aurais bien pris, mais je suis déjà sur quelque chose, là. En plus, c'est pas trop de mon ressort, là. Moi, je suis en plus en mode délit de fuite. Stolen tanker. Ok, ils ont volé un camion, les coups. Ok, alors. Y'a personne, on y va. C'est quoi, c'est les coroners qui sont là dans ce monde? Où est-ce que c'est déjà? Alors. Monsieur. C'est pas là. C'est pas là, ça doit être juste à côté. Alors. Ah, ok, donc en fait, il s'est fait embarquer le mec. J'ai même pas besoin de l'amener. Bah, nickel. J'étais pas au courant. Allez, bah du coup, on repart sur un petit truc. Poursuite in progress, c'est pour nous, on y va. Alors qu'est-ce qu'on a? Il va vers où déjà le mec? Ah ouais, il y a une banalisée. Ah oui, d'accord, donc là on part... Les gars, je crois que je suis pas trop équipé pour ça. Ah, même eux apparemment. Waouh. C'est du drift, là, je fais du rallye là, c'est pas une course speed. Ok, donc j'ai le véhicule en visu déjà, c'est bon signe. Je vais éviter de me tuer parce que
Waouh, mais le mec il bombarde. Comment vous voulez que j'arrive à interpeller un mec qui bombarde à ce point là les gars? C'est impossible. Allez, arrêtez-vous, arrêtez-vous. C'est la gendarmerie, ça ne sert à rien de fuir. Allez. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Monsieur. Parfait. Putain, il faut que je me casse la gueule aussi. Oh, il a fait tomber les rondins de bois, le con. Ok, là mon gars, tu m'as sur le dos, là. Là, tu t'es mis dans la merde, bien sûr. La route. Déjà, petit excès de vitesse. 100. Voilà. Allez, arrêtez-vous, gendarmerie. Arrêtez-vous, gendarmerie. Allez. Arrête-toi. Ça sert à rien. Allez, arrête-toi. Viens là. Wow, je suis dans ma voiture. Allez. Donc lui, il a aucune chance de s'enfuir. Punaise, par contre si, je crois qu'il a des chances de s'enfuir. Il court super vite, mais il bombarde le con. Merde, faut que je récupère ma bagnole et que je la chope à pied. Fait que je le chope en véhicule. Parce que là, jamais je pourrais l'attraper si j'y vais à pied. Allez. On va y aller. Ah, il cavale lui. Ah merde, il part dans la... Non, c'est bon, il est où? Allez. Arrêtez-vous, ça ne sert à rien. Allez, arrêtez-vous, gendarmerie nationale, vous mettez au sol. Les mains sur la tête, au sol. Couchez-vous. Allez, je vous passe les menottes pour des questions de sécurité, monsieur. Est-ce que vous avez bu, consommé de la drogue récemment? Allez. J'ai appelé un... Vous allez vous asseoir là, monsieur. Punaise, je crois que je vais faire venir les sapeurs-pompiers sur chaque intervention. Là. Le mec, il vient encore de stoler la gueule. Allez. Monsieur, papier d'identité, s'il vous plaît. Buck McLaren. Je voudrais une identification pour Buck McLaren, dispatch. Licence valide, provisionnelle. Je sais pas du tout ce qu'il a à dire. Il a 3 points. Notre race, il est pas recherché. Pour eux, faites un délit de fuite. Allez, du coup, moi je vais quelqu'un pour le récupérer. Et bah, moi je vais me remettre à mon poste de base qui est ici. Les collègues ils le prennent en charge, ils sont au courant de tout déjà. Moi je vais me remettre avec mes autres. Quoi? Arrêtez-vous, je viens d'avoir un vol de moto en direct là. Il retire sur le puma lui. Allez, arrêtez-vous, gendarmerie. Mettez-vous au sol immédiatement. Au sol, tout de suite, gendarmerie. Comment ça, vous voulez une moto de gendarmerie, monsieur? Là, vous avez cru que vous étiez où? Allez, oh, j'ai une autre intervention qui est super intéressante, là, par contre. Allez, là, j'ai une autre intervention. Ah, mais non, c'est bon, elle vient d'être... Allez, monsieur, vous partez avec mes collègues. Et moi je vais... Oh punaise! Oh, je vais me prendre une tôle, mon pote. Là je pars sur un véhicule avec des migrants apparemment. Non, tu montes pas dans mon véhicule. Ah ouais, il y avait Puma qui était juste derrière moi en fait. Non, monsieur. Ah punaise, il y a les collègues qui vont venir récupérer de toute manière. Ils sont où là? Allez les gars, on est là. Allez monsieur, vous allez avec mes collègues là. Et moi je repars sur une autre intervention. Au final je vais jamais le mettre en place ce radar je crois. Parce que là vu comment c'est parti je me retrouve tout le temps avec des interventions. Et je pense que ce radar là vraiment il n'aura pas d'existence dans cette vidéo. J'en ai aucune idée. Alors c'est un camion techniquement, pour qu'il y ait des migrants dedans c'est forcément un petit camion. Ok, donc là-bas je vois un camion déjà. Je pense que c'est probablement ça. Et après j'espère que les migrants vont pas se barrer en courant, parce que là mon pote ça va être un feu d'artifice sinon. Attention. Ok, donc c'est ici. J'ai le véhicule face à moi, dispatch pour Charlie 3. J'ai le véhicule suspecté de trafic de migrants face à moi. Est-ce qu'il faut que je procède à... Allez. Arrête d'accélérer, arrête.
parfait. Il va venir avec moi, il va venir avec moi. Allez, contrôle T, suivez-moi, suivez-moi. Où est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre dans un endroit quand même assez dégagé. On va y aller. On va aller vers là-bas. Le camion il me suit là. Enfin, il me suit, c'est un grand mot. Il essaye quoi. Hop. On va se mettre là, là. Ici. C'est parfait ici pour un contrôle de camion avec des migrants. Hop là. Allez monsieur, venez là. Je coupe mes gyros. Je vais prendre mon taser parce que c'est. Je sais pas qui je vais avoir affaire pour ouvrir le coffre. Bonjour monsieur, gendarmerie. J'entends du monde là déjà. Ok. J'ai un migrant. Ouais, yeah, yeah. Descendez, gendarmerie, vous descendez. Allez, vous couchez maintenant. Allez, couchez-vous, 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 couchez-vous. Allez, je passe mes notes, un collègue va venir vous récupérer, madame. Et moi, je vais récupérer l'enfoiré de camionneur, là. Allez. Parce que le camion là-bas, lui, il va se faire la malle alors que... Merde, j'ai la migrante dans mon véhicule. Il a pas intérêt de se barrer le camion parce que sinon il va douiller, moi je vous le dis. Allez, roulez. C'est mon véhicule qui les fait paniquer à ce point là ou quoi? Le camion avec sa porte ouverte là, en plus c'est un danger public le bordel, ses portes elles se balancent. Il va nous shooter quelque chose, il va nous tuer quelqu'un. Allez arrêtez-vous, ça sert à rien du tout. Faire feu dans les pneus. Ok, il a perdu un pneu. Il y a sa copine qui vient de sauter parce que il y a un véhicule qui vient de la ramasser. Allez, ça c'est de la course poursuite les gars. Faut que je recharge. Ok, crevé. Ok, crevé. Parfait. Il a plus de roue le con. Il a plus de pneus. Je vais voir là-bas. Ok bah c'est bon là, faut qu'il s'arrête. Allez arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Ça sert plus à rien là. Voilà, comme ça. Ouais, ça m'aurait étonné qu'il se barre pas en courant. Oh là 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 là. Les gars, la Subaru, elle aura fait qu'une patrouille, ça je vous le dis. Elle en fera pas deux. Hein. Il y a au moins 10 000 euros de frais de réparation, là je vais avoir plus de salaire pendant 4 mois. Allez, qu'est-ce qu'il me fait? Allez. Gendarmerie nationale, tu t'arrêtes, tu te mets au sol immédiatement, m'oblige pas. Monsieur. Ok, oh, on sort le pompe direct. Allez monsieur, rendez-vous là. On va pas courir dans la pagaille comme ça là. Allez. Je vais être obligé de le taser lui. Non c'est bon, il s'est cassé la gueule. Allez gendarmerie, au sol immédiatement maintenant. Ne rigole pas avec vous monsieur. Mettez-vous au sol. Gendarmerie nationale. C'est la 4e ou 5e interpellation suite à des délits de la route que je fais quand même, c'est dans la vidéo. Parce que c'est la première fois que j'en fais autant il me semble. Enfin j'ai pas de souvenir d'en avoir fait autant dans une autre vidéo. Peut-être avec la Mégane RS ou en police municipale, je sais plus. Enfin regardez les autres vidéos les gars, vous verrez. Mais ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait des comme ça il me semble. Allez monsieur, vous allez vous faire prendre par mes collègues. Bon c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Ils vont vous mettre dans votre véhicule, ils vont pas vous prendre. Parce que oh, les gars là, vos idées mal placées c'est bon. Ah ouais punaise, il a bien cavalé le coup. Et son camtar, bah lui le camtar déjà il part en fourrière. Et moi je vais essayer de récupérer mon véhicule. Parce que c'est bien cool de m'avoir fait courir. Mais maintenant ma bagnole, elle est là-bas dans la broussaille, elle est transparente encore une fois. Parfait, ma petite Subaru. Bon les gars, je sais pas ça fait combien de temps que je recorde. Ça doit faire une petite demi-heure. Du coup je pense que ça va marquer la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, c'est Drixiz pour les 4, y'a pas de truc à se faire, y'a pas Drixiz YouTube, Drix TV ou je sais pas quoi, c'est Drixiz comme le nom de la chaîne. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui savent pas écrire Drixiz, mais bon, c'est de votre faute les gars. Mais suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, c'est Drixiz, et allez, ciao, bye bye.